Hello, alors comme vous l'entendez peut-être, euh, c'est une journée magnifiquement ensoleillée avec euh, la pluie sur le Vélux, donc je pense que vous allez en profiter comme l'autre fois. Euh, comment allez vous bien t utile en ce début de semaine un peu plus courte pour euh, les gens qui travaillent en France Hop. On va faire un petit tour. J'ai même réussi à choper une petite news que je vais vous partager une fois que j'aurai commencé par le commencement. A savoir. D'abord remettre mes lunettes parce que sinon je vois pas ce que je suis en train de copier-coller. Et ensuite comme toujours, voilà. J'étais en train de le faire, tu vois. Donc n'hésitez pas si euh, ce qui se raconte ici vous intéresse et puis que vous voulez euh, bah, discuter plus en détail ou si vous avez des projets euh, qui impliquent du code, de l'électronique, enfin tous les sujets qu'on aborde dans l'émission, euh, rejoignez-nous sur le Discord, on commence à être euh, un petit nombre sympathique. Et il euh, y a pas mal de projets qui se discutent et il y a pas mal d'échanges. Euh, donc c'est parti, je vais hop, vous partager. Voilà l'écran, vous avez droit même à mon petit pense-bête. rien de compliqué dans un VS Code. Voilà. Ce que je voulais vous partager, que j'ai trouvé tout à l'heure, c'est une petite news sur euh, ben, un, un jeu auquel j'avais euh, ouais, pas mal joué, euh, qui, qui est un, un MMO donc un, un jeu de rôle en ligne multijoueur. Euh, multi euh, basé sur l'univers du, du jeu de rôle Warhammer. Et, euh, et les serveurs avaient été stoppés il y a quelques temps déjà, il y a quelques années, puisque ils avaient arrêté l'exploitation. Et visiblement, j'ai vu passer une news, il y a des, des passionnés qui ont relancé. Euh, alors je ne sais pas sur la base de quoi exactement, mais en tout cas, ils ont relancé des serveurs de jeu. Euh, je vais vous partager l'adresse si y en a que ça intéresse d'aller jeter un coup d'œil. Si l'univers de Warhammer vous branche ou tout simplement les jeux de ce type-là donc hop je vous mets là euh, j'ai même pas eu le temps de creuser je, sais pas, ouais, je pense qu'ils ont laissé euh, ce que j'en ai vu passer tout à l'heure c'est c'est basé sur les mêmes ressources ouais, ça les mêmes ressources graphiques donc voilà c'était un jeu auquel j'ai pas mal joué parce que j'aimais bien l'univers j'ai joué longtemps avec un personnage nain ah non, je pense qu'ils ont maintenu, euh, ils ont maintenu ce qui était euh, du jeu d'origine. Donc euh, à voir, ma foi. Je vois qu'il y a une petite, un petit trailer. Donc je ne sais pas exactement jusqu'où ils sont allés. Oui, si c'est bien le moteur de jeu. Hein. Voilà, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil si euh, ce sont des choses qui vous intéressent. Euh, la seconde chose, c'est que ce matin, une fois n'est pas coutume, le facteur a été sympa avec moi. Et il m'a amené. Hop, je vais vous partager ça. On va se déplacer en essayant de ne pas vous casser les oreilles et de ne pas perdre le micro en route. Voilà, normalement, vous devriez toujours m'entendre. Alors. On va de pas faire de catastrophe. Hop. hop. J'ai reçu. Le kit. Ah, elle est un peu à l'envers la caméra là, non voilà, Quand je vous avais dit que j'avais improvisé la remise en route, c'était vrai. Hop. Voilà, c'est déjà plus, plus droit. Salut, sur Charles. Donc Voilà, sauf que si je vous retourne la caméra mais que je tourne la boîte dans l'autre sens, ça rendra rien de mieux. Voilà, donc c'est euh, la compagnie Yaboom qui fait ça. Voilà, et, euh, et j'ai pris celui là Alors il y a plusieurs kits, hein, euh, je vous laisserai aller voir, mais j'ai pris euh, celui qui n'était pas non plus euh, trop abusé en termes de prix, parce que j'ai dû le payer 79 dollars, je crois. Euh, et qui permettait de faire plein de petits montages. L'idée euh, de ce kit, c'est de proposer, comme vous le voyez ici, là c'est un des montages, euh, bah d'avoir euh, cette carte ici. J'en ai d'autres, hein, vous avez déjà pu en voir d'autres dans les émissions, qui permettent d'interfacer une carte micro-bit avec un tas d'autres euh, équipements électroniques. Là, en l'occurrence, il y a aussi des... comme sur celle que j'avais, euh, accès à des servomoteurs ou des moteurs, il y a des LED, il y a un tas de choses. Et euh, voilà, ce sont des kits... Euh, donc moi voilà, ce que j'ai vraiment kiffé, c'est que c'est livré... Oh attention, livré avec un livret. Et j'adore retomber un peu en enfance. Alors il y, a, il y a les notices de montage. Alors il y a quelques textes, je ne sais pas la langue d'origine, si c'est japonais ou chinois, je crois que c'est chinois, je ne veux pas dire de bêtises. Avec des traductions parfois approximatives. Genre là, on a droit à un beau airplane. Je vais vous montrer le modèle quand même à l'arrivée. C'est un hélicoptère, c'est rigolo. Euh, plus embêtant, alors il y, y, y a des explications qui sont allées repomper directement sur le site euh, de Microbit. Par contre, il y a d'autres explications, notamment pour euh, la partie MicroPython. Ouais, c'est du chinois. Ouais, je... Hop, qui sont, euh... qui sont pas traduites toutes, mais il y a un site web. Euh... Hop. Je cherche la petite planche pour vous montrer. Ça ne marchera pas comme ça. Hop, est-ce qu'on voit encore si je fais comme ça Ouais. Donc juste pour vous montrer la démo de base là. Voilà. Donc euh, c'est rigolo, il euh, y a un micro, un, un haut-parleur euh, rajouté sur la carte. En l'occurrence, euh, il se trouve que le kit est maintenant livré avec une carte micro-bit V2, euh, ce qui est pour moi bien plus intéressant évidemment. Euh, C'est peut-être un peu embêtant dans le sens où euh, ils n'ont pas tout adapté euh, malgré leur dire. Euh, je vais vous partager hop, le site euh, hop, où il se trouve... Il y a tout ce qu'il faut pour... Euh, donc là c'est quand même, euh, je disais le livret, moi je m'en fous, c'est le côté euh, le papier, les pages que tu tournes avec euh, tes étapes à monter, euh, tu te gourdes, tu démontes, tu remontes. Enfin, moi j'adore ça. Vive le Lego pour ça. Et puis ben voilà, il y a un certain nombre d'étapes. Il y a tout le, le manuel en question que je vous ai montré en version papier, mais il est en version électronique euh, si vous souhaitez euh, le consulter. Euh, il y a aussi donc une partie euh, mec Code. Euh, je, je vais vous montrer rapidement. Euh, alors ils, ils affirment puisque j'ai fait un, un petit message au support une fois n'est pas coutume. Hein, quand j'arrive, je dis bonjour au support. Euh, Ou euh, en fait, euh, ben, je leur ai indiqué que ben, ce fichier-là est, euh, par exemple, le fichier suivant. C'est chaque fois il y a un, euh, chacun des projets euh, exploite dans une deuxième version le fait qu'il y ait le le Bluetooth disponible avec une application qui livre sur Android et sur iOS. Mais euh, quand j'ai voulu l'essayer, j'ai eu euh, l'erreur, je dis plus de bêtises, je crois que c'est 529 ou 521. Bref, l'erreur qui dit euh, vous avez un fichier euh, pour la carte microbit, c'est les fichiers .ex, là, qui sont les versions qu'on peut télécharger depuis euh, Makecode par exemple, ou qu'on peut compiler si on, si on le souhaite. Et euh, ça veut dire que cette erreur veut dire que le fichier en question est fait pour une microbit V1 et ne comporte pas les informations nécessaires pour la V2. Donc ils m'ont répondu pas du tout, pas du tout. Notre kit est compatible V1, V2. Donc je vais leur faire une petite vidéo où je leur montre que je télécharge sur le site et que ça ne marche pas. Mais ce n'est pas très grave en soi. Puisque je voulais vous montrer également qu'on peut télécharger. Euh, en l'occurrence, ce que je vous ai euh, montré à la caméra, c'était... Euh, le petit programme qui fait danser la, la voiture, la car euh, avec un peu de musique le, le programme, il y a quelques explications ici je l'ai téléchargé et si je vais sur le site de mes codes, il y a une fonctionnalité qui de toute façon est intéressante, j'en avais parlé avec Charlito quand on a, je vous montrerai après, quand on a un programme ouvert on peut le partager dans le sens où ça crée une URL où euh, vous pouvez donner cette URL et les personnes peuvent à la fois consulter le programme fini, le télécharger en exécute en point .ex et euh, regarder le code. Mais on a aussi depuis la page d'accueil la possibilité d'importer euh, les, les fichiers euh, ex ou les projets. Donc là, hop, je vais s'il veut bien se réveiller, allo, allo, voilà, euh, j'ai téléchargé tout à l'heure. Euh, le microbit dancer qui est là. Voilà. Donc là, j'ai le fichier X que j'ai téléchargé depuis le site. Euh, peu importe en fait qu'il soit en V1, puisque là, je l'ouvre et je l'importe. Ça va le reconnaître et l'ouvrir euh, dans, euh, dans mes codes. Alors là, c'est rigolo, ça l'ouvre euh, sur l'onglet JavaScript, mais il suffit de cliquer sur bloc et euh, ça bascule. Donc là, il mouline, il mouline. Hop, hop. Allez Voilà Et donc, vous avez euh, le, le programme tel qu'il est. Et donc, il a beau être en V1, le site s'est interprété de toute façon les deux formes. Une fois qu'il est importé, il suffit de télécharger sur Download, euh, qui dorénavant, alors, euh, soit vous... Euh, suivant comme vous branchez la carte microbit, euh, ça peut être en USB, ou quelqu'un il reconnaît direct le format V2, blablabla. blablabla. Euh, là, je ne vais pas le remettre, puisque c'est déjà ce que j'ai copié. Le fichier qui me propose là est capable de fonctionner en V1 et en V2, en fait. Donc... Euh, aucun souci. tout fonctionne et euh, c'est le programme que vous avez vu sur euh, re-télécharger, que vous avez vu sur la, le petit montage de la Pretty car que j'ai assemblé. Euh, si vous souhaitez euh, travailler directement avec un programme vierge et puis faire votre assemblage de lego, chose que je vais sûrement tenter dans la foulée une fois que j'aurai fait tous les petits montages, il y a une extension euh, qui s'appelle Superbit. Euh, sur, le, sur le site avec la, la doc et le tuto, euh, ils vous ils indiquent euh, la référence à mettre, donc il n'y a pas de souci. Euh, ça rajoute l'extension. Là il me l'a rajouté euh, de toute façon par défaut puisque j'ai téléchargé le fichier X euh, qui contenait la référence. Et à l'intérieur, ben, vous allez retrouver euh, tout ce que c'est faire la carte, à savoir euh, eh bien, jouer la musique sur son haut-parleur intégré. Euh, utiliser les cerveaux les alors euh, le kit comporte deux types de cerveaux moteurs trois en fait euh, dont un à rotation continue qui peut être utilisé en mode voilà, moteur euh, vous avez euh, un contrôle de type stepper alors là je l'ai pas testé je pense que c'est parce qu'il y a une prise dessus qui permet de piloter un vrai moteur stepper et puis je suis étonné de ne pas les voir là mais je sais qu'il y a euh, ça doit être dans l'autre programme. Il y a le contrôle des, des LED qui sont embarqués sur la, sur la carte avec le module. C'est le module NeoPixel qui est juste à côté, donc il n'y a pas de souci. C'est gérable, ça fonctionne bien. Donc là, j'ai juste eu le temps de, juste avant de lancer l'émission, de faire un petit assemblage de, de modèle le plus simple. Je vais essayer les autres, évidemment. Euh, si je reviens, hop. Voilà, vous en avez quand même. Le kit doit s'appeler 16 en 1, donc voilà, on devrait en trouver 16 hein, si, si, si tout est correct. Il y en a des sympas, euh, j'essaierai un peu tout, notamment le, le, petit, euh, le petit robot bipède. Mais ils pas la faute. Non, je suis dans la partie code, pardon. Voilà. Dans la partie assembly. Ah, il y a le spider que je veux essayer. Hop, je vais vous mettre à la fin tout de suite. Leur site est un petit peu lent, hein, mais bon, ça fonctionne. Voilà un petit robot de ce type-là. Il me plaît bien. Il y a un, un petit bipède. Voilà. Attends qu'il télécharge tout. Voilà. Vous avez un petit bipède à l'arrivée qui, je pense, sera très rigolo à faire tomber. <laughs> On verra ce que ça donne. Donc voilà. Euh... Donc, il, y a, il y en a d'autres hein, sur le site de yaboom.net. Il y a d'autres kits. Euh, Celui-ci, je l'ai trouvé euh, plutôt raisonnable pour ce qu'il proposait. Puis, euh, bon, je savais ce que j'étais en train de faire, mais je ne me rendais pas compte avant d'ouvrir la boîte à quel point. Euh, à quel point c'était plaisant de remettre les mains dans du Lego euh, à un tarif abordable et non pas le, le kit Lego, euh, que ce soit le Mindstorm que j'avais ou les kits de maintenant qui sont certainement géniaux pour faire de la robotique mais ils sont quand même à, à plus de 250 ou 300 balles, je trouve que ça fait quand même un peu cher. Là il y a de quoi s'amuser pour... Euh, à l'arrivée je crois que j'ai repayé un coup de taxe, enfin il y en a pour 80, on va dire 80 euros euh, en gros. Hein. Et, et je trouve que c'est intéressant toutes les possibilités qui sont offertes euh, avec la carte microbit par dessus je trouve que c'est sympa. donc voilà euh, et puis euh, la dernière chose que je voulais vous partager c'est ce petit repository je vais vous peut-être vous mettre l'article je l'ai vu sur le alors je l'ai vu sur un tweet de Corben il le proposait sur son site aujourd'hui ou hier plus le site corbonne.info que je vous conseille, il y a des choses sympathiques comme tout à voir et, et évidemment c'était c'était voilà ici tac je vais vous mettre l'article après tout c'est là où je l'ai vu donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur son blog et donc et euh, eh ben il parle d'un d'un truc sympa je trouve qui est un un jeu qui a été écrit en Godot, donc je vous ai parlé l'autre jour, euh, et puis euh, même auparavant. Un, un jeu écrit en Godot et euh, qui permet de faire un peu d'apprentissage autour de Git, un peu comme ce qu'on a fait dans les émissions l'autre fois. Et euh, bah, je trouve que c'est plutôt réussi. Donc il s'agit juste. Euh il n'y a plus qu'à le brancher sur la Switch. Ouais, mais la Switch, j'en ai parlé l'autre fois et je vais en reparler. Euh je vous ferai un petit... Si j'oublie à la fin de l'émission, je vous referai un petit topo de ce qui s'est passé depuis la dernière émission quand même. Euh, donc là j'ai lancé en fait, j'ai récupéré le repository tel que c'est indiqué. à l'intérieur il y a un fichier euh, euh, définition de projet Godot. Vous l'ouvrez, vous avez tout le projet, c'est tout open source. Et euh, pour le lancer, il y a une scène qui s'appelle main. Hop. Vous voyez dans la liste des scènes. On peut faire des projets avec du monde. Hein. Voilà. Et si je le lance, c'est là où je ne sais pas si ça va marcher avec ECAM. Euh, e Parce que je crois que ça se lance en mode plein écran. Alors, est-ce que vous avez... Alors je ne peux pas vérifier quand il est en plein écran. J'ai sur le... Ma, ma fenêtre de contrôle ECAM, elle est sur le même. Alors, je ne peux pas tout voir. Si, si je rassemble mes fenêtres ici, peut-être. ça a ça fait basculer c'est pas mieux ainsi je peux y retourner comme ça Hop. voilà on y retourne allez j'ai encore fait un truc qu'il a pas aimé évidemment si c'est bon je vois que vous voyez quand même voilà donc ça ça cette forme j'ai perdu la fenêtre des commentaires, mais c'est pas si elle est là. Voilà. Euh, et euh, bah c'est plutôt plutôt joli. Euh, donc là, il y a tout un menu avec les différentes choses qu'il propose d'observer. De, bah de, il faut savoir que par dessous, euh, ça lance en fait quelque chose dans, dans le terminal. Donc en plus, c'est pas mal du tout. Euh, si j'en prends, bah tiens, on va faire celle-ci par exemple. Voilà. En attendant Godot, oui Donc là je pense que j'ai réussi à, à refaire la combinaison Qu'il fallait pas faire sur le pauvre Macbook ah, C'est pas vrai, putain Pourtant il a pas eu le temps de chauffer là donc là, vous voyez même pas tout ce qu'il y a à voir. Donc c'est bien dommage. Je pense que la démo va être de courte durée. Hop. Ah bah non, il me fait le coup. si on me fait le coup du kernel task. Super. 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 Bravo, mec. Bon, ben on va revenir là. Euh, je vais tenter de couper Godot derrière. Est-ce que c'est lui qui l'a fait chauffer Je ne pense pas. En tout cas, ouais, bah c'est bien dommage. Je pensais avoir réglé mes problèmes l'autre fois. C'est bien con ça. Si pourtant il fonctionne maintenant, évidemment. Ouais, si j'ai quand même pas mal de latence dans la vidéo. Oui. Euh, je peux vous tenter en live, bah tiens, je veux vous, vous aimez l'impro, c'est parti. Voilà comment on sauve un MacBook à presque 3000 balles avec un petit ventilateur rose. Parce que, que la ventilation... Se déclenche sur le MacBook ou pas, ça semble pas agir au bon endroit. Et on va voir si on réussit à choper. C'est là-dessus. Voilà. Donc vous devez entendre un formidable petit bruit. Oui, la couleur est sympathique. Hein euh... Comment je peux feinter tout ça voilà. Et donc là... Alors qu'il est pas chaud hein, le Mac en lui-même, mais c'est juste cette saleté de, de mécanisme dans OS OSX et dans ce MacBook en particulier. Qui fait que quand il chauffe côté USB, c'est parce que j'ai mis la, la stream cam. Il n'est même pas spécialement chaud, mais il part dans la mécanique de, de kernel task où il balance des notes là. Et euh, vas-y, il est toujours à 250%. Comme ça vous profitez du ventilo. J'en envoie un peu chez, chez Kongduino qui a ses 32 degrés et qui a trop chaud. Non, il n'y a pas de rose comme ça dans, dans les Apple M1. C'est bien tenté dans les nouveaux iMac, il n'y a pas de rose de ce couleur-là. <laughs> voilà. Et a priori c'est en train de rechuter donc je suis en train de récupérer la machine. C'est fou, hein. donc je ne vous referai pas la démo Godot. Mais euh... Bon, on a à peu près récupéré un truc cohérent, de toute façon j'arrivais à la fin, comme dirait l'autre. Donc c'est dommage. <laughs> je retenterai l'affaire parce que je suis têtu de toute façon. Euh, je vous ai mis le lien, si je dis pas de bêtises, vers le, le Oh My Git. Voilà, j'ai récupéré les, la partie processeur. là est redevenu normal. C'est juste ridicule. Normalement, Apple, quand ça chie dans la colle, ça chie dans la colle. Il n'y a, a pas de belle façon de l'exprimer. Euh, donc hop, je quitte Godot. Que je vous avais coupé de toute façon Têtu c'est les bretons mmh. J'ai pas mal de sang ardéchois Et franchement j'ai beaucoup connaître plein de bretons Je te promets qu'un ardéchois c'est têtu aussi <laughs> Alors On va y arriver hein Hop Parce que du coup ça m'a mis le bordel dans toute mon installation évidemment. Hop Je vais ramener toutes mes fenêtres ici Euh il faut que je remonte dans les commentaires. Je devais vous parler de, ah oui, de ce que j'ai fait avec la Switch. Bon. Dommage pour la démo. Donc euh, bah, pour la Switch, on en a parlé l'autre jour et suite aux suggestions euh, euh, très très bonnes de... Euh, oui c'était B-box, je dis pas de bêtises euh, j'ai regardé donc euh, Smile 4 et euh, Fuse 4 mmh. et j'ai bien entendu acheté Fuse 4 qui était à 14 euros sur la Switch, j'ai commencé à, à jouer avec euh, malheureusement ou heureusement pour vous, je sais pas mon petit, euh, voilà j'en parle souvent euh... Hops, fais le point, fais le point, soit magique voilà cette petite carte Mirabox, ce petit boîtier, voilà, vous dites bonjour à mon chien, euh, est plutôt bien foutue à un détail près, elle a décidé d'arrêter de fonctionner. Et donc comme c'était avec ça que je, je souhaitais euh, capturer le flux HDMI de la Switch pour vous montrer ce que ça donnait. Voilà. Donc euh, j'ai pas encore... J'ai quand même l'ouvrir pour voir s'il n'y a pas un truc évident, mais ça m'étonnerait dedans. Euh, sinon, euh, je prendrai une petite solution temporaire euh, comme l'a suggéré Vibox sur le, sur le forum. Euh, une clé HDMI euh, pas chère du tout. Je ferai un test, on verra ce que ça vaut. Ça, ça doit bien fonctionner pour une Switch. Euh, ce que je voudrais quand même vous montrer ce que ça donne. C'est intéressant. Euh, euh, la, la communauté, il euh, y, y a un site qui s'appelle Fuse Arena. Que je peux vous mettre en copie là tout de suite d'ailleurs. Euh, qui, qui est plutôt... Euh, Plutôt dynamique. Fiusarena.com, le voilà. Voilà, je vous le mets. Alors, c'est pas dit que je regarde pas non plus Smile4 aussi, euh, qui est, euh, on va dire, plus, euh, plus asiatique dans le sens où euh, la plupart des docs et des commentaires et des ce que j'ai trouvé des communautés sont pas, euh, sont pas lisibles pour mes pauvres yeux euh, de Français et d'Européens. Euh, et, mais elle est moins riche aussi j'ai l'impression mais il euh, y a un truc moi qui m'intéresse qui même si ça me sert juste à ça smile4 a implémenté tout ce qu'il fallait pour euh, capturer sur les Joy-Con vous avez une, euh, un petit capteur en fait infrarouge qui est en fait une petite euh, en tout cas il l'utilise comme ça comme une caméra infrarouge et il euh, y a des, des bouts de code disponibles visiblement pour l'utiliser. Donc même si c'est juste pour ça, je suis capable d'acheter euh, Smile4 en plus. Mais pour Fuse4, c'est ouais, ouais, vraiment marrant. Euh, c'est plutôt bien fait. Il y a toute une série de, de tutos intégrés euh, qui, qui, qui vous mettent le pied à l'étrier si vous n'avez jamais codé. Et, euh, et je vous invite à aller sur Fuse Arena, voir les réalisations que font les, les différentes personnes euh, qui échangent et qui partagent leur, leur code. Ouais, ouais, il y a, y a de quoi faire. Donc tout ça étant bien sûr dans l'attente du 11 juin pour voir ce que donnera le nouveau soft de Nintendo qui décide de pousser un cran plus loin après les labs et tout ça. Avec le Nintendo, je ne sais jamais dans quel sens, Game Builder Garage je crois. Donc on verra ce que ça donne. Je serai évidemment dès le 11 juin au taquet pour essayer de tester ça rapidement parce que ça avait l'air sympa, ça avait une approche plus scratch. Là c'est du basique. Alors, c'est leur basique, hein, ont... ça, ça veut tout dire et rien dire quand on dit basique, mais, euh, mais ça marche bien et il euh, y a vraiment des choses sympas à faire avec. Donc, euh, j'espère pouvoir vous partager rapidement ça, sinon je vous mettrai une caméra dégueulasse juste au-dessus. Vous avez l'habitude de l'impro de toute façon, mais c'est quand même pas pareil. <laughs> donc, sur la Switch, pour la petite histoire, j'ai utilisé. Alors, là en ce moment, vu que j'ai pas le, le truc HDMI. Euh, J'utilise un simple adaptateur Hop. alors du noir avec peu de luminosité, à mon avis, il ne sera pas capable de faire. Mais si, ouais, voilà, quelle merveilleuse caméra! C'est un IC Box en USB-C qui me permet d'avoir une, une sortie où je peux brancher un clavier en fait. Et j'ai le même avec un, une sortie HDMI où je peux le brancher sur un écran, euh, donc c'est rigolo comme tout. Donc, euh, vu que Philippe euh, avance encore plus vite que moi sur la partie euh, j'ai un iPad et je code dessus. J'ai décidé d'aller plus loin <laughs> et de faire j'ai une Switch et je code dessus. On verra ce qu'on peut faire. Je n'ai pas trouvé de Python évidemment pour l'instant sur la Switch, mais qui sait. Qui sait, qui sait. Donc voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Euh, je pense que de toute façon vous reverrez euh, mes petites réalisations. Euh, alors soit dans des émissions, soit je ferai des petits bouts de vidéos dédiés. Euh, pour les différents montages je pense que je ferai une petite démo de chaque c'est toujours sympa euh, et puis euh, et puis la partie switch ouais, j'espère que je recevrai cette clé hdmi pour vous partager ça parce que je trouve que c'est vraiment marrant c'est vraiment marrant à utiliser puis et puis, euh, puis c'est un bon piège parce que euh, finalement euh, les mômes sont vite attirés par la console mais euh, ça a vraiment l'aspect d'un jeu et ça, ça les. je trouve que c'est assez euh, amusant justement ça reste un jeu même si après, derrière, on peut partir dans un mode. Donc voilà, j'ai pas tout testé. J'ai vu qu'on pouvait dessiner ces sprites, mais je sais pas trop ce que ça donne parce que je crois pas qu'on puisse faire marcher de souris. Euh... Dessiner au pad, hein, je sais qu'il y en a qui ont réussi, mais euh... bon, il y a une librairie fournie hein, qui est déjà très riche. Et ce que je sais pas, c'est si on peut importer en mettant euh, des images sur une carte SD. Enfin bref, j'ai encore plein, plein de choses à tester avec Fuse 4. Et puis on verra aussi avec euh, le smile basique, évidemment. Et eh ben c'est tout pour moi aujourd'hui. Euh, je suis sûr que j'ai oublié des choses. Euh... Mais non, pas acheter de Switch. Et de... eh oui, le Discord de la tentation, n'oubliez pas. <laughs> Ce que je ne sais pas, je n'ai pas regardé pour être honnête. Je sais qu'il y a une version light maintenant de la Switch. Je ne sais pas si elle est vraiment intéressante. Mais auquel cas, a priori, ça fonctionne aussi dessus. Donc ça peut aussi être une solution euh, pas trop chère. Hein pour se lancer. Ils font d'ailleurs... Euh... Tiens voilà, on va finir en beauté. Je sais comment nous allons terminer cette émission. Alors, on va aller sur le site de Fuse 4. Tac tac tac. C'est pas du tout là que je voulais aller. Hop hop hop. Euh main site voilà je vais vous partager l'écran hein, un instant voilà 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 on arrive j'ai mis le bordel tout à l'heure dans mon install je n'ai plus la fenêtre ah oui c'est ça je n'ai plus la fenêtre qui change les scènes ah, je sais pas où elle est. elle est pas mal celle là tiens Ah si elle est là hop on y retourne hop donc là, c'est le site euh, de la société qui édite Fuse. Ils ont des, des ateliers pour les écoles et des ateliers pendant les vacances qu'ils font en ligne. Je n'ai pas pu regarder parce que pour l'instant, c'était euh, en, en stand-by. Et dans la partie e shop ce qui est intéressant, alors moi je suis allé sur le. Je l'ai acheté par euh, le eShop Nintendo. Ils proposent d'acheter des bouquins. Je sais pas si je vais leur donner euh, 13 euh, livres supplémentaires, on verra. Mais euh, ils proposent aussi des, des bundles euh, pour, euh, pour apprendre à coder avec, euh, avec une switch. Alors je ne sais pas pourquoi il y en a deux différents là. Ah, peut-être la couleur des Joy-Con, tout bêtement. C'est ça Ouais, c'est ça. Donc ils ont deux packs où ils vendent une, une switch, leur euh, bouquin euh, qui va avec pour apprendre à coder, euh, une switch bien sûr, un clavier qui va avec. Voilà. Et. Je ne sais pas si on voit. Là. On va aller sur la page elle-même. Je connais pas le, sur la partie gauche. Là, ça doit être un doc. Ah, ben, c'est un doc USB. Ça doit être ça qu'ils utilisent. Là, je ne connaissais pas, tiens. Il n'y a pas le détail de ce qu'il y a dedans. Dommage. Essaye encore. Je ne sais pas si en cliquant et en zoomant, on voit mieux. Ouais, si. Donc voilà. Voilà pour le Discord de la tentation. Tant qu'à faire qu'à acheter une Switch. Tu peux carrément acheter la Switch avec Fuse 4, avec ce Coding Project Book. Et euh, alors c'est un clavier QWERTY. Ouais, c'est là où c'est peut-être moins intéressant si vous ne voulez pas basculer sur le QWERTY. Euh, toujours est-il que ça existe. Vous pouvez acheter directement votre bundle. Et alors ça, euh, il faut que j'aille poser une question. Euh, je vous l'ai mis l'autre jour sur le Discord. Il faut que j'aille demander. Ils vendent. Un truc qu'ils appellent le Fuse 840 Socket Breadboard. Donc c'est une breadboard. Et euh, j'ai pas trouvé de référence euh, sur Fuse Arena encore. Mais euh, si jamais ils avaient une API, enfin euh, vous voyez ce que je veux dire, vous voyez où je vais là. Euh, S'il y a moyen de, de brancher une switch sur des montages électroniques, euh, je vais acheter une deuxième licence. <laughs> c'est pas possible. Là je leur achète le bouquin, je leur achète la totale. Même leur breadboard, même si j'en ai déjà une, c'est... Je sais pas, faut voir. Faut voir euh, si. Euh, S'il euh, si y a moyen de moyenner, mais ce serait quand même. Euh, tu ne vois plus rien, mais t'inquiète, Rekney. Voilà. Tu, tu nous as rejoints sur le Discord. Je pourrais remettre éventuellement le lien. Donc voilà. Voilà où tout ça va et où ça ne va pas s'améliorer, évidemment. Euh, sur ce. Euh, je vais vous laisser. Il faut que je retourne travailler et j'ai faim. Il faut que j'aille manger. Je vous souhaite une excellente journée. Et puis, euh, tu veux plus le voir, Messi Reckne, Messi Elle repasse nous expliquer ça sur le Discord. On va discuter. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Et puis, euh, je vous tiendrai au courant sur le Discord et sur euh, Twitter. Je ne sais pas encore. Si je fais une émission mercredi ou jeudi avec le ferrier, je ne sais pas comment je vais la jouer, on verra. Merci à tous, à bientôt.